Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire un big haul de Shein. Je sais jamais comment on dit, mais voilà, j'ai encore reçu des produits de leur part. Il faut que je vous montre tout ça. Il y en a 13 en tout. Et franchement, c'est des trucs vraiment bien. Donc là, je suis en soutien-gorge. Ne vous offusquez pas, on ne voit rien. Mais c'est parce qu'au moins, c'est plus simple pour essayer les fringues. Donc il y a ce petit haut noir qui est top, que j'avais dans la vidéo précédente. Voilà, qui fait comme ça. Qui s'arrête là, qui est vraiment beau, c'est un crop quoi, et je l'adore, il est super je trouve. Pour tous les vêtements, vous pouvez les retrouver dans la description en dessous, je vous ai mis tous les liens, il faut vraiment que vous fonciez, parce que déjà de base c'est pas un site qui est cher, et là en ce moment ils ont une grosse promotion encore en plus, je vous mets un code promo en plus en dessous, donc en gros vous paierez que dalle. Des fringues qui sont vraiment bien. J'ai déjà essayé les fringues hier, que je pouvais pas attendre. Et sincèrement, si on se fie bien aux commentaires, pour pas avoir des problèmes de taille ou de matière, de tissu, tout ça, franchement, ça déchire. Moi, j'avoue que là, j'ai commandé 13 choses et il n'y a aucune déception, quoi. Il y a juste un haut, la matière, je suis pas fan, mais zéro déception et ça, c'est ultra rare. Donc là, ça va être chaud de mettre du blanc et de rouge à lèvres noires, ça s'en fout de partout. Ah, yeah. J'adore ce petit haut, c'est un crop blanc, tout simple, avec une capuche. Et je l'adore, je le trouve très cool. La matière, il est assez épais, il est très agréable. Et voilà, il est très bien porté, je l'adore. Et je trouve ça va bien quand j'enlève, non? Alors c'est celui-ci, il fait un peu Pocahontas, je le trouve très joli porté. Par contre la matière, j'aime pas du tout. C'est pas très grave si la matière ne va pas. C'est très bizarre comme matière, j'aime vraiment pas. Mais le haut est vraiment chouette. Donc bon, écoute, tant pis. Je le trouve très cool. Je me dis, ce haut avec un beau rouge à lèvres marron, un beau jean taille haute et des beaux talons, ça peut être vraiment top. Pareil, c'est un crop qui s'arrête au-dessus du nombril, qui est un peu transparent. Mais bon, si on a un soutif blanc, ça devrait aller. Et qui a manche longue, et lui pareil, je l'adore. Je le trouve très cool, avec mes Vans, un peu street. Par contre voilà, il est un peu transparent, comme on peut le voir. Donc je vous conseille de mettre un soutien-gorge blanc, si vous prenez cette couleur. Mais je le trouve vraiment chouette. Heureusement, je me suis pas coiffée, je suis sortie de la douche comme ça. Je me suis juste maquillée. Après, il y a ce petit bandana que j'ai plié moi-même hier. Je sais pas trop comment le mettre. De toute façon, c'est un bandana normal. Hein, mais... moi, ce que je préfère, c'est quand on a les cheveux attachés. Je trouve ça trop beau. Après, on peut le mettre n'importe comment, à votre convenance. Là, j'ai pas envie de faire un tuto au bandana. Surtout que je suis pas spécialement douée pour les mettre. On peut le foutre un peu comme on veut. Bon, j'arrive pas à le mettre spécialement bien, là. Mais... moi je préfère quand j'ai les cheveux attachés en fait. Quand je fais des couettes et que je le mets. Du coup voilà, le bandana. Après j'ai ça, j'ai un serre-tête effet bandana comme ça. Je voulais prendre ça pour pas me faire chier à le faire moi-même en fait. Et lui je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve hyper mignon. Je le dis avec des belles boucles. Même sans boucle. Après on peut le mettre un peu comme on veut. Vous voyez, là si je fais une belle couette ou un beau chignon ou quoi, ça peut être hyper canon. Donc j'aime bien ce truc, je trouve très chouette, très mignon. Voilà, ça c'est un petit serre-tête pareil qui sera dans la description. Après j'ai cette superbe, alors là je suis un gros coup de cœur pour cette ceinture qui est trop belle. Par contre là le problème c'est que je suis pas habillée, je sais pas trop comment je vais vous montrer ça. C'est pas évident de vous montrer parce que vu que là je suis en mode essayage, ben, je suis en culotte et en soutif. Mais elle est vraiment très chouette. Après j'ai ce petit chemisier donc là qui est très froissé parce que je l'ai pris pour tourner mon clip en début de semaine. Donc et ben, il était dans la valise en boule. Voilà. Il est très joli. Alors on peut le fermer entièrement. On peut le laisser ouvert. Mettre soit en soutif et on ferme jusque là. Soit on met un débardeur et on ferme pas du tout. C'est ce que j'ai fait moi. En fait, c'est un chemisier qui est long, qui arrive à une taille normale en haut des fesses. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je le prends et je fais
un petit truc comme ça, je vais vous montrer. Je trouve ça plus joli. Et après, vous pouvez faire comme vous voulez. Soit on ferme entièrement, moi j'ai pas envie. Soit on met un débardeur en dessous, on laisse ouvert, enfin comme vous voulez. J'aime beaucoup ce chemisier, je le trouve très 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 cool. Ensuite, j'ai ce haut, qui pareil pour le coup est un haut, un crop top, où il y a un nœud devant. Et pareil, il est chouette. C'est pas mirobolant, ouais. Mais il est cool. Un truc comme ça. Il y a plein de couleurs différentes pour ce haut. Moi j'ai pris cette couleur parce que je me suis dit que ça changeait un peu. Je voulais le prendre en noir et blanc. Mais je me suis dit qu'on allait changer. Et en fait j'ai fait ça parce que j'en ai un autre en noir et blanc. Et donc ça, du coup, c'est un autre haut qui est un peu mon préféré à part le noir du tout début. C'est un crop assez court qui arrive juste en dessous de la poitrine, juste là. Qui est bien moulant et je le trouve trop beau. J'aime bien les marinières. Ensuite j'ai ce super pantalon, alors c'est matière, je sais pas trop. Une matière un peu spéciale par contre, une matière qui tient chaud et dans laquelle on transpire. Mais c'est une sorte de legging tout moulant, taille haute, taille ultra ultra haute. Et en fait là il est ouvert devant comme ça, il est super beau. Je vais essayer de le mettre et vous montrer. Je vous montrerai dans le miroir ce que ça donne, ce sera plus simple. Par contre il est pas évident à fermer. Bon par contre les filles je vous le dis, avec ce genre de pantalon, il faut impérativement mettre un string. Parce qu'il est tellement moulant que le problème c'est que ben... on voit tout. Genre par exemple moi j'ai une culotte normale et c'est très moche. Mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Donc ça je vais vous montrer dans 5 secondes. Je vais vous montrer aussi le dernier truc que j'ai reçu, qui sont deux vestes qui en fait vont ensemble. Et je vous montrerai le tout dans le miroir après. Là il y a une petite veste courte, à manches courtes, très 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 fine, avec la capuche, qu'on peut même mettre juste comme ça. Ça peut être cool. Et il y a la veste en jean noir qui est trop bien, qui va avec. Et en fait, il faut faire ressortir la capuche pour que ça soit beau. C'est tout le but. Je déteste faire des... Ah non, c'est une blague. Vive le rouge à lèvres noir. J'adore le rouge à lèvres noir, mais pour ça, c'est horrible. Je déteste faire des essayages. Donc là, en haut, ça rend comme ça. Je kiffe. Là, c'est... Et je vais vous montrer dans le miroir comment ça rend, c'est canon. Alors là, ça rend comme ça. Donc là, j'ai le haut marinière. La veste, je la trouve, elle déchire. Donc il y a la petite veste en dessous, la courte devant. Et ça va trop bien. Et le pantalon, alors là, je l'ai un peu trop serré. En fait, vous voyez, il faut le serrer ici. Mais voilà, j'ai pas de talon, j'ai rien. Mais il est vraiment top, il monte très haut. Plus haut que la taille. Et il est superbe. Du coup, faut mettre un string parce que sinon ça va trop se voir. Surtout sur les fesses, quoi. Mais voilà, le très beau. Et pour finir, il y a cette veste qui est une sorte de coupe-vent. Alors c'est ultra fin, on mettra pas ça pour couper le vent. Sinon faut prendre un vrai coupe-vent. Mais franchement, je la trouve super jolie. Pareil avec mes Vans noirs. Et un jean noir. Parce que le noir, c'est la vie. Donc là... ça rend comme ça. Je vous interdis de rire, je viens de mettre un short bleu et rouge Mickey dégueulasse pour ne pas être à poil. Voilà, c'est parti. Alors voilà les super short Mickey, hein, on adore. Bref, la veste. Donc la veste elle fait comme ça quand elle est ouverte. Et moi ce que j'adore c'est quand elle est fermée, je vous montre pourquoi. Parce que fermée, donc il y a la capuche et tout. Fermée, elle remonte énormément parce qu'il y a un très gros élastique. Donc elle remonte là. Et moi qui mets que des tailles hautes, du coup ça peut rendre super beau. Donc voilà. Ouais, j'ai très chaud avec cette veste, mais bref. Donc voilà, j'ai fait les essayages de tous les fringues de Shane que j'ai reçues. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai très chaud. En tout cas, vraiment, et sans mentir parce que je suis pas payée pour parler de ça. Mais c'est vraiment des fringues que je trouve vraiment top par rapport au prix quoi. C'est pas cher du tout et en plus je vous rappelle que vous avez un code promo que je vous mets en dessous. Vous allez payer encore moins cher. Donc c'est bien. Ça j'insiste énormément là-dessus. Faut vraiment se méfier de la qualité, de la taille, tout ça. Et moi ce que je fais pour jamais me tromper, et là regardez, j'ai tout reçu hier et il y a tout qui va à merveille. Et si ça va, c'est parce qu'à chaque fois que je veux prendre un article,
je vais dans les commentaires et je lis toutes les notes, tous les avis, tout. Et voilà, pour choisir la bonne taille et pour être sûr que je vais aimer par rapport à la qualité, à la matière, tout ça. Donc vraiment, c'est très important, fiez-vous aux commentaires. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, ce petit haul, ce petit gros haul, parce qu'il y a quand même 13 articles. Je vous mets tout en description, le site, le code promo, tous les liens de ce que j'ai choisi. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous aime très fort.